Hello, I'm Perla Hajjar. I'm a third year PhD student in computer science. My thesis is done in collaboration between UVSQ David Lab and Communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines. PhD helps you be expert in your domain. I have done my internship with UVSQ David Lab and we studied autonomous shuttles for transportation system. After that, we were interested in seeing how we can apply this mobility change in order to apply dynamicity and resiliency in the public transport system. So they offered me this thesis and I directly accepted. Dans le cadre d'un colloque avec l'UVSQ et Saint-Quentin en Yvelines, nous avons décidé d'accueillir une doctorante sur les projets de mobilité innovante. Le but de cette thèse était notamment d'avoir tous les aspects sociaux et notamment l'acceptation des usagers sur les mobilités innovantes. Throughout my university years, I have always been interested in how can autonomy change the future. So now we are working on an autonomous shuttle transportation system project that will be able to add resiliency and dynamicity to the transport system by adapting the schedules. This system is a combination between autonomous shuttles and regular buses. We will study how passengers react to this service and how we can be able to test it through the autonomous shuttle experimentation in Saint-Quentin en Yvelines. Le partenariat avec l'Université de Paris-Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines est principalement un partenariat d'échange. On échange aussi bien sur les données qu'on fournit à Perla pour pouvoir réaliser sa thèse grâce au réseau de bus que nous avons sur Saint-Quentin-en-Yvelines, et également un partenariat d'échange pour échanger notamment avec nos élus et les professionnels universitaires. My week is divided into two parts, 3 days at the company and 2 days at the lab. Mainly I do simulations, retrieve data and analyze them. My day is occupied with writing lines of codes and I do mainly every week meetings with my university supervisors and enterprise supervisors. We talk about future objectives, analyze and discuss data and what we plan to do in the future. My best memory is the first time I have used the autonomous shuttle, which is line 490 in Saint-Quentin-en-Yvelines. I was really interested in how the autonomous shuttle really reacts to traffic lights, crossing lines, and with passengers. And it was also interested to see how passengers react to this service and what do they expect from it. Le meilleur souvenir avec Perla, je dirais que c'est l'explication des expressions françaises. Pour un événement assez important, on ne dit pas bonne chance, mais on dit un autre mot, ça valut quelques réactions cocasses. I plan to stay in France and expand my experience in the research and development sector in enterprises and specifically autonomous transportation systems. D'ici un an, le contrat de Perla se termine et on aimerait la garder quelques mois supplémentaires pour qu'elle puisse terminer sa thèse. Notre nouveau projet de navette autonome permettra d'avoir de nouvelles opportunités. You should choose a topic that really interests you and you want to explore really in deep. You should also have a lot of patience because during a PhD you have a lot of ups and downs. Pour les entreprises qui souhaitent accueillir un doctorant, plusieurs conseils sont à prendre en compte, notamment le fait que le doctorant puisse suivre tout un projet tout le long de sa thèse. Et également le temps qu'on consacre au doctorant, aussi bien dans le suivi de sa thèse que dans l'accompagnement du projet.